Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter des panneaux à LED, donc justement de plusieurs marques, donc trois marques différentes. N'hésitez pas, vous les aurez en description de vidéo. Donc trois panneaux justement pour décorer votre chambre, décorer votre setup de jeu ou tout simplement votre bureau ou peu importe, ou même dans une salle à manger pour décorer un petit peu. Ça fait toujours plaisir et en plus de ça, ça rajoute un décor supplémentaire. Donc d'ailleurs, ça sera que des lampes à LED pour toutes des lampes à LED. Donc au moins, vous êtes déjà en termes d'économie d'énergie, ça sera déjà en termes de... ça sera beaucoup mieux. N'hésitez pas, avant que cette vidéo commence, à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Les liens sont en description de vidéo. Je commence par le tout premier produit, une marque qui est très connue d'ailleurs par ses panneaux LED hexagonales justement. Vous avez justement 9 panneaux, donc un pack de 9 panneaux. Donc il y a plusieurs, il y a un pack de 3, il y a un pack de 5, il y a un pack de 9 et un pack de 15. Donc à vous de voir ce que vous voulez prendre tout simplement. Vous pouvez faire plusieurs formes différentes et ça c'est vraiment stylé parce que vous pouvez faire vraiment différentes formes. Ça se connecte directement aussi, compatible avec Alexa et aussi avec justement votre téléphone. Donc vous pourrez le paramétrer la couleur, paramétrer la couleur de chaque panneau différent. Vous pouvez mettre la même... voilà, la même couleur pour chaque panneau, etc. Donc ça, c'est à vous de voir, tout simplement. Le branchement se fait assez facilement. D'ailleurs, ça s'applique vraiment sur le mur directement. Donc ça se colle, en fait. Et c'est vraiment, après, ça tient dans le temps sans difficulté. Et en plus de ça, voilà, c'est vraiment très, très simple à fixer. Il n'y a aucun souci. Et même si vous ne voulez pas le faire par le téléphone, vous avez directement une petite commande pour voilà, mettre plus ou moins fort la luminosité de chaque panneau. La descendre aussi, c'est possible aussi. Donc voilà, soit pour un salon, une chambre, un bureau gaming, voilà, c'est d'ailleurs utilisé énormément pour des setups gaming généralement parce que ça rajoute un petit côté lumière, un petit côté, une petite ambiance vraiment sympa. Vous avez plus de 16 millions de couleurs différentes, d'ailleurs avec toutes les nuances de blanc possibles, d'ailleurs là-dessus. Une détection aussi de la disposition des panneaux, une technologie exclusive qui permet des animations de couleurs intelligentes basées sur la disposition de vos panneaux. Et bien sûr, il existe différentes formes, ceux-là ils sont hexagonaux, vous avez aussi les triangles. Vous en avez de toutes les formes et surtout Nanoleaf sont vraiment une très bonne marque justement pour les mettre au mur, etc. Sans souci d'ailleurs, pour vous dire juste un petit peu tout ça, il fait 208 grammes pour chaque panneau, je parle. Au niveau de leur poids, 100 lumens, donc 100 lumens c'est pas mal. Pareil, ça se connecte en Wi-Fi aussi. Voilà, franchement, je pense que j'ai vraiment un petit peu tout mis sur celui-ci. Donc n'hésitez pas, il sera en description de vidéo. On est parti pour le deuxième, pareil. Un panneau LED hexagonal mural avec télécommande par contre pour celui-ci. Donc vous en avez 6, c'est un petit paquet de 6, donc c'est pour le setup gaming, DIY, géométrie, etc. Vous les mettez là où vous le souhaitez, vous pouvez faire n'importe quel type de forme, vous pouvez faire un marteau par exemple. Vous pouvez faire des formes que vous souhaitez et en fonction, donc, voilà, vous pouvez les mettre devant aussi votre setup gaming pour avoir un peu plus de luminosité, avoir quelque chose de vraiment sympa. Voilà, ça c'est à vous de voir et c'est vraiment... pareil, une classe énergétique A parce que c'est des panneaux à LED. Donc comme je vous dis, le LED ça consomme quand même relativement moins que des que par exemple des panneaux différents et avec une autre lumière. Parce que bon là je les ai pas forcément en tête à ce moment là. Voilà, alimentation par USB unique peut être connectée à la banque d'alimentation de l'ordinateur. Par exemple pour un ordinateur portable, un écran plus grand peut être obtenu avec en épuisance et lumière. Chaque câble USB peut alimenter jusqu'à 18 unités. Donc ça c'est quand même vraiment une bonne chose, vous pouvez aller jusqu'à 18 panneaux. D'ailleurs c'est des tampons adhésifs collants sont inclus d'ailleurs pour une installation avec une variété de surfaces justement livrées avec le support display de bureau. Et en plus de ça vous avez la fonctionnalité en douceur, donc glisser on off, un capteur capacitif en fait qui est utilisé comme interrupteur qui allume et éteint chaque composant lorsque le corps de l'utilisateur touche la surface. Cette conception permet de l'utilisateur de glisser efficacement là où il veut ou en besoin de lumière. Glissez facilement vos doigts, les bras ou même vos épaules à travers ces panneaux lumineux pour activer les lumières. 13 modes statiques, le mode flash, fondu, saut en fonction de la synchronisation que vous souhaitez. Tout simplement, ils sont assez minimalistes, polyvalents parce que vous pouvez changer un petit peu les couleurs, etc. Donc voilà, pour comme je vous dis, dans une salon, dans une chambre, dans un escalier, une cuisine, la fête, un restaurant, un hôtel, un bâtiment commercial, bar, voilà, ça peut aller vraiment partout tant qu'il y a besoin d'ambiance, même pour les parfaites décorations aussi pour Noël. Donc, à vous de voir et ce que vous voulez souhaiter en faire. D'ailleurs, vous pourrez en faire vraiment des tas et des tas de choses. Même derrière, par exemple, un écran de télé, ça peut être parfait. Tout dépend de la forme que vous voulez lui mettre aussi, sans souci. Pour le tout dernier, c'est la marque Cololite. Cololite, c'est un lot de 3 panneaux d'extension, donc forcément moins cher que voilà, l'autre qui était à 6 et l'autre qui était à 9.
qui peut s'augmenter à 15 aussi. Donc voilà, c'est du plus petit prix, enfin du plus gros prix au plus petit prix. Donc là, un lot de 3 panneaux d'extension, pareil, une classe énergétique A+++. Voilà, je sais pas si ça existe, A+++. Donc dessus, vous avez 16 millions de couleurs, 19 LED sans zone sombre. Vous avez aussi donc forcément la possibilité de changer la couleur que vous souhaitez. D'ailleurs, c'est des panneaux un peu plus épais que vous pourrez poser sur un socle par terre et qui va après se propager sur le mur directement. Ça, c'est aussi ce désavantage ou cet avantage. Ça dépend comment vous voulez le prendre aussi. D'ailleurs, aussi, c'est fendu et joint. Donc, les points justement importants, c'est les panneaux hexagonaux soutiennent des bords droits et précis pour une connexion sans couture. Voilà, grâce au design modulaire de Cololight, et un nombre illimité de panneaux peuvent être connectés ensemble, ce qui signifie que votre créativité est pratiquement illimitée parce que vous pourrez faire n'importe quel type de forme. Voilà, avec 3, c'est vrai que bon, les formes ne peuvent pas aller forcément très loin. C'est pour ça que je vous conseille, si vous pouvez, d'en prendre plusieurs, parce que 3, c'est vraiment pas beaucoup. Ça reste quand même le côté un petit peu, vous pouvez en faire un petit peu ce que vous voulez. C'est un contrôle USB aussi. Et vraiment, vous le branchez à n'importe quel type d'USB, ou soit directement sur un chargeur, voilà, en USB, soit sur un écran, soit sur, voilà, peu importe, tant qu'il y a un port USB, hop, ça va le connecter et vous n'avez plus qu'à l'allumer et vous allez avoir les connecteurs nécessaires pour justement les allumer. Donc 3 et 6 kits de démarrage au niveau de là-dessus. Voilà, c'est à vous de voir ce que vous en pensez. Bon, au niveau de la largeur, on est quand même sur quelque chose de relativement grand qui sera sur un socle et qui se connectera en USB directement. Vous pouvez les placer là où vous souhaitez, dans n'importe quel type d'ambiance, mais c'est vrai que 3, je trouve que ça fait pas beaucoup. C'est vraiment, voilà, c'est assez discret. Ça dépend ce que vous recherchez en termes de panneaux LED, si vous souhaitez d'en avoir plusieurs. N'hésitez pas, avant que cette vidéo se termine, de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne. Les liens sont en description de vidéo. Je vous souhaite en tout cas une très bonne journée et ben merci. Et il y aura d'autres vidéos du quotidien. Je vous dis à la fois prochaine. Ciao, ciao.